Ça doit bien faire 5 ou 6 ans qu'on se connaît. Ouais, Martin, ça fait bien partie de ma bande de potes. Et c'est vrai que je pourrais même le considérer comme mon meilleur ami. Dans notre groupe, on a tous passé le cap symbolique des 20 ans. C'est un âge particulier, autant sur le plan professionnel que sentimental ou même financier. On ne se rend pas encore compte, mais nous sommes au premier grand carrefour de notre vie. Les choix que l'on fait aujourd'hui, qu'ils soient grands ou petits, ils détermineront potentiellement les conséquences de demain. Cette série de vidéos, c'est ma capsule temporelle. Enfin, notre capsule temporelle. Pour les semaines, les mois et les années à venir. C'est ma façon de capturer qui nous sommes maintenant, avec nos rêves, nos incertitudes et même nos espoirs. La seule chose dont je peux être à peu près sûr, c'est ce que nous vivons actuellement. Salut les jeunes. Comment ça va? Ça va. C'est ça que j'ai peur maintenant, c'est le nombre d'affaires qu'il va y avoir. Stockage. On est bien. Deux petits sacs. Un jaune, un bleu. Ok, ça, ça va. Pour l'instant, ça, je te l'air. Ça, ça va. Parce que même moi, je m'en suis rendu compte, j'ai pris peut-être des affaires, je vais laisser ici parce que genre j'ai pris vraiment... Beaucoup. Bah, c'est déjà bien chargé, quoi. Bon, un câble. Bah oui, mais c'est bien, Martin, mais il faut faire tes affaires. Oui. Grand garçon. Moi. Je t'ai amené une enceinte. Oui, très très bien. Et t'as pris ton chapeau? Je vais en acheter un, hein, demain. Je sais comment je vais l'appeler la série YouTube là. Deux potes, une 205. Mec, parfait. C'est clairement le titre qu'il faut donner. Deux potes, une 205. D'ailleurs, je vais récupérer la L. Le saviez-vous? La 205F est inspirée de la 205. Elle est aussi inspirée du C15, du Citroën. Bon, j'ai rien contre vous, mais. Faudra peut-être se remettre à la page. Et aujourd'hui les jeunes, on part. Par où? Ah oui. À Oradour. Ton petit mot d'arrivée? Bah pour le moment j'ai pas trop visité la ville donc je ne peux pas savoir, mais je vois que ça a impacté mon frérot. Bah ouais, parce qu'en fait à Oradour, donc pour te résumer, c'est là où j'avais tourné un documentaire il y a maintenant 2-3 ans sur le village d'Oradour-sur-Glane. Mais par contre il y a un truc que je suis choqué, qui me blase très profondément, c'est qu'en fait il y a un air de camping-car, un air de repos où on peut se stationner peut-être à aller à 500 mètres du village, et c'était un air classique. Plus, on peut voir derrière, c'est... Attends, je sais pas si on le voit d'ici. Donc je disais, Oradour-sur-Glane, lieu qu'on a fréquenté, notamment il y a encore quelques temps, même avec le C15, on avait fait cet endroit. Et du coup, il y a un air de repos qui est ici, juste autour de nous. C'est un endroit où je passais plein de fois pour partir en vacances. Par exemple, ça c'était le jeu de mon enfance. C'est con, hein, tout ça, mais ça c'était le jeu de mon enfance. Et là, aujourd'hui, on a appris un drame. C'est devenu payant. Il y a une barrière maintenant. Il y a une barrière pour dormir, en fait, alors qu'il y a juste du goudron. Si, je crois qu'il y a une borne pour recharger, mais en eau, et ça c'est plutôt pour les camping-cars. Et en plus c'est genre 14,50€ la nuit, pour rien quoi, pour du goudron. Parce que même les parterres, regarde les parterres là, ils sont pas tendus, et moi ça me tend. Donc il est bientôt 20h et on va devoir chercher un autre spot je pense, parce que moi j'aime pas ce genre de truc là. Moi je suis aigri, je suis venu aigri. D'ailleurs il y a une trace de gras là. Faut que j'arrive à la nettoyer tout à l'heure. Voilà, avec les t-shirts. Et en plus, je pense que tu peux le voir à l'écran, c'est que ça marche vachement bien leur système de barrière. Du coup on se régale. Oh c'est méchant de se moquer des malheurs des gens. Mais c'est terrible en vrai, 14,50€. Mais genre je l'ai fait pendant 15 ans quand j'étais petit.
ça a toujours été gratuit. Et encore, ouais, on l'a fait quoi, il y a un ou deux ans, c'était gratuit. Et là, ils te mettent une barrière 14,50€. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais ça me fatigue aujourd'hui, tout devient payant, mais même pour des trucs comme ça, quoi. Bon, allez, on va chercher la suite, ça m'a gavé, ça m'a saoulé. Elle se marie parfaitement avec le décor. Ouais, je me fais attaquer par un truc. Bienvenue dans ma nouvelle maison. Et tu sais quoi, le frigo, on peut même le sortir et le mettre là avec les petites bières. Travailler. Hein. Bien qu'il y en a un qui travaille donc. J'ai l'impression que c'est la vidéo de ce matin. Les rôles se sont inversés. Là tu galères pas trop. Résumé alors, première soirée, finalement c'était bien que Oradour se soit payant parce qu'on a trouvé un petit spot, on a parlé avec les proprios, c'est bien en vrai, hein. L'endroit est cool. Bon de toute façon je pense que vous avez vu un petit peu tous les plans et tout. Il y a une caméra là, il y a une caméra qui est là et c'était une caméra cachée en fait, on n'est pas du tout en vacances. C'est vrai qu'on est beaucoup trop équipés pour les gens qui sont censés être en vacances. C'est pas des vacances, c'est un voyage, c'est différent, pas la même chose. Ouais, petite satisfaction, c'est d'avoir des bières fraîches. Parce que c'est quoi, ça fait 2 ans hein, avec les C15 plus la 205, c'est le 3e gros voyage. Et avoir des bières fraîches, c'est la première fois, parce que l'année dernière, au Dolomite, on avait des problèmes avec la batterie auxiliaire. Là, du coup, on est parti sur un autre système. Mais avoir juste une bière fraîche en récompense, c'est la première fois en 2 ans. C'est quand même honteux dit comme ça. Ça devrait être la base. Alors, ça fait plaisir d'avoir une petite bière fraîche, et là, on va profiter avant la journée de demain, parce que c'est la plus grosse journée. Qu'est-ce qu'on fait demain, tu t'en souviens? Attends, visite de Oradour sur Glane. Et ensuite, direction les Pyrénées. C'est ça, demain je crois qu'on a 6 ou 7 heures de route. Aujourd'hui, 2e jour, on est dans un cadre très différent de ce matin. On se retrouve à Oradour-sur-Glane, village martyr, dont j'ai déjà fait un documentaire il y a maintenant 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans. Donc là on est rentré ce matin, avant de reprendre la route, parce que je voulais absolument montrer à Martin, et également à ceux qui ne connaissent pas ce village, parce que pour moi c'est un village qui est très important. Comme je t'ai dit hier déjà, j'y suis passé à côté plein de fois parce qu'il y a un aire de camping-car qui est maintenant payant. Mais bon, ça c'était une autre histoire. Et juste à côté, il y a le village martyr d'Oradour-sur-Glane, qui est connu notamment pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'on a eu toute une série d'épisodes de massacres en fait. Mais on va juste revenir ici sur quelques points, quelques endroits. En fait, on va faire un peu une visite entre guillemets 2.0, un peu plus légère que le documentaire. L'interview que j'avais donnée dans mon documentaire il y a maintenant 2 ans, eh ben, ça concernait Robert Ebras, qui était l'un des, si je me trompe pas, si je me souviens bien, 7 rescapés qui étaient sortis du village d'Oradour. Techniquement, c'était le dernier survivant, parce qu'il s'est éteint malheureusement l'année dernière à l'âge de 98 ans. Il m'avait parlé un petit peu de comment ça s'était passé, les faits de la journée avant et après le drame. Robert Ebras, à l'époque, il avait 19 ans. Et à 19 ans, évidemment, il travaillait. Alors, il travaillait à Limoges, vu que c'est juste à côté, ça a 20 km. Et il y avait tout simplement une sorte de train, je sais pas comment on peut trop appeler ça, qui circulait ici à Oradour. On peut le voir juste ici, avec les rails. Et donc en fait, le tram le cherchait juste au pied de sa porte, parce que vous allez voir, c'est juste à côté, et l'emmenait directement au travail. Et donc lui, pour la petite histoire, il était mécano, si je me trompe pas, et il travaillait dans un garage à Limoges, qui était notamment occupé par les Allemands. Faut se dire aussi que du coup, ce lieu, aujourd'hui, il y a un mémorial, donc il y a une entrée qui est gratuite, mais il y a tout un musée qui peut être payant, et notamment, c'est ce qui sert à entretenir le lieu aussi. Parce que voilà, faut se dire que c'était il y a 80 ans, bah oui, en plus c'est ça, 80 ans cette année. Et que du coup, voilà, il faut réussir à entretenir ce genre de lieu. Il y a pas mal de travaux qui sont faits de restauration, mais toujours dans le respect de ce qui était fait à l'époque. Et franchement, c'est une super bonne chose, parce que des villages comme ça, c'est ce qui marque notre histoire. Faut s'imaginer. Hein.
C'est un peu dur de s'imaginer, mais c'était une maison sur deux étages, il me semble. Et aujourd'hui, il reste pas grand-chose, mais il reste quelques petits, on va dire, vestiges. Et donc voilà, c'était ici qu'était sa maison. Et comme je te disais, regarde, là, t'as la maison qui est juste là. Et là, t'as la ligne de tram qui est vraiment juste là. Donc c'était vraiment juste à côté. Et du coup, dans cette maison, il y avait le père, la mère, Robert Hébras, qui avait 19 ans, sa sœur, Denise, il me semble, qui avait 2 ans, et sa grande sœur, qui avait 22 ans. Et du coup, ils vivaient tous dans cette petite maison-là. Là, on vient tout juste de partir de la maison, et en fait, quelques mètres plus loin, à une trentaine de mètres, tu as la place du village. Donc c'est là où ont été rassemblés toutes les familles, les enfants, les femmes, les hommes. Donc les enfants, ça pouvait être des enfants très jeunes. Il me semble que les premiers devaient avoir entre 6 mois et 1 an, mais aussi des personnes très âgées qui ne pouvaient presque plus se déplacer, parce qu'on était quand même dans un coin de la France, enfin on est dans un coin de la France qui est très rural en fait. Donc c'était un petit peu autonome. Donc là, il faut s'imaginer quand même, je pense qu'il devait y avoir entre 600 et 800 personnes à peu près. Ici ont été séparés les femmes et les hommes, et les enfants étaient justement avec les femmes. Et après, tout le monde a été dispatché, on va dire, dans plusieurs endroits de la ville. Donc ça pouvait être l'église, comme on l'a vu tout à l'heure, et ça pouvait être aussi dans différentes granges, petites fermes, où on a retrouvé notamment plusieurs groupes d'hommes qui étaient entre 60 et à peu près 80. Ce qu'ils appellent en fait sur des pancartes des lieux de supplice. Et notamment un qui est juste ici. C'est là où était emmené justement Robert Hébras. Et notamment avec aussi des amis et des proches, tout simplement. La petite pancarte, lieu de supplice. Et t'as une petite annotation à côté, avec 6 hommes qui se sont échappés. Ça, là, il fallait imaginer une grange, et ça, c'était un peu dans plusieurs endroits de la ville. Une grange, alors qu'elle était séparée en deux, il n'y avait pas autant de surface. Et dedans, tu mettais 60 à 80 hommes. Robert Hébras, il a réussi à s'échapper par l'arrière, et il a dû s'échapper avec un petit groupe d'amis pendant 7 à 8 heures, avant de pouvoir sortir et trouver une grange qui était à plusieurs kilomètres pour demander de l'aide, là où il n'y avait pas du coup d'Allemand. Je pense que c'est important quand même de parler un petit peu de cet épisode. Cet épisode historique. Mais voilà, du coup, un lieu quand même qui est très important au Radour, un lieu que j'ai découvert quand j'étais petit, et à 22 ans, un lieu que je redécouvre encore une fois, là que je te fais découvrir à toi, Martin. Mais j'espère que voilà, ce petit moment, ce petit passage dans la vidéo, un peu moins léger, on va dire, sera utile à certaines personnes, c'est ça, que des personnes qui connaissent pas auront pu au moins découvrir un peu l'existence de ce village et peuvent se renseigner. Combien de temps de route là déjà? Nous sommes partis sur les alentours de midi et demi, il est 17h30. Il nous reste encore 2h30 de route avant d'arriver dans les Pyrénées. Les trois premières heures étaient longues puisqu'on a pris la 2x2 voies. Par contre, une fois qu'on a commencé à prendre les petites départementales et vite fait les nationales, là on a ressenti un vrai petit plaisir de conduite. On se sent connecté avec la route. Il raconte que de la merde. Déjà, on roule les fenêtres ouvertes parce qu'il fait bien chaud. Mais parce que oui, il fait vraiment chaud. En fait, c'est ça le truc aujourd'hui. 38 degrés. Ouais, 38 degrés, on a vu ça tout à l'heure. On n'a pas de clim. Et on fait 500 km à peu près dans la journée. Donc en vrai, on a pas grand chose à filmer. On a rien à faire. Donc on s'occupe comme on peut. Donc on s'ennuie pas mal là en vrai. On a rien à faire pendant 8 heures. Par contre, c'est joli. On vient d'arriver dans les Landes. Et les Landes, la caractéristique, c'est quoi? Les fougères. Ouais, alors oui, il y a des fougères. Il s'est passé le truc. Bah, le vin. Mais non! C'est que c'est tout droit les routes. T'as pas remarqué ça? Ça fait 50 km, c'est tout droit. Si vous êtes un vrai motard ou un adepte des routes droites, vous allez vous faire kiffer. Alors il y a des radars, mais ils sont précisés. Que du fixe. Et franchement. Vachement dans la légalité, le petit Martin. De quoi s'amuser? Si tu veux tester ta prépa turbo et faire ton étalonnage sur ton logiciel de préparation turbo plus, c'est vachement légal ce qu'ils nous proposent. La destination de ce soir, du coup, c'est Cotteret, exactement dans un petit lieu dit qui s'appelle La Fruitière, que j'ai fait il y a exactement 15 ans, c'était en 2010, il y a 14 ans, donc j'étais tout petit. Et donc là, on est parti pour y aller, et j'espère que du coup, il va faire un peu plus frais. Mais de ce que je me souviens quand j'étais petit, c'était un petit endroit où tu pouvais te garer sur l'herbe comme hier soir. Et t'avais un cours d'eau, et t'avais des vaches, des chevaux, des poneys, tout ça qui traînait autour de toi. Ouais, c'est très nature. Et je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Mais franchement, j'espère. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
17h08. J'attendais qu'une chose, c'était ça là, cette claquette. Plus les vidéos avancent, plus je perds mes cheveux, ça c'est terrible aussi. C'est pas grave, on va faire un voyage en Turquie. Love.